Là, je suis bronzé. Comment tu fais pour être aussi bronzé? Quelle honte, quel scandale. Mais je me dis, voilà un garçon qui revient d'amour aussi. Attends, voilà un garçon. Et un minimum récemment pour les années d'impôts. C'est pas le débat. Je vais vous dire où il est le vrai débat. C'est que voilà un garçon qui s'appelle Johnny Hallyday qui depuis 40 ans tient le haut du pavé et fait travailler des dizaines de milliers de personnes. Comme d'autres. Mais non. Absolument pas. C'est Johnny qui fait travailler. C'est un vrai créateur d'emplois. Depuis 40 ans, lui. Depuis 40 ans. Olivier, est-ce que je peux terminer? Depuis, et je vais vous prendre un exemple dont on ne parle pas, qui est celui des grandes entreprises françaises du CAC 40 qui sont délocalisées à l'étranger pour échapper à l'impôt, en accord avec Bercy. Ça, on n'en parle pas. En revanche, on prend un bouc émissaire qui s'appelle Johnny Hallyday, ok, c'est tellement facile, pour masquer la réalité de ce pays. C'est lui-même qui justifie. Non, mais attends, mais on le monte en épingle, on le met en scène, alors qu'en réalité, ceci sert à masquer le vrai problème de ce pays, c'est-à-dire une fiscalité exorbitante. Jacques Maillot, tu comprends, toi? Je suis d'accord sur la fiscalité exorbitante, je me suis déjà exprimé sur ce sujet, je vais me répéter, je ne suis pas du tout d'accord avec l'attitude de Johnny et de tous les autres, parce que on parle à la fois, par exemple, d'un Zavour, de Johnny, de Mauresmo, mais aussi, tous les jours, il y a des gens qui partent en Grande-Bretagne, en Belgique, hein, ou en Suisse. Hollande. Donc, oui, d'ailleurs, il faut reconnaître que c'est finalement presque mieux dans presque tous les pays de l'Union Européenne, en Italie. En Italie, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Moi, j'avais un ami à Nouvelle Frontière qui était actionnaire de la holding Nouvelle Frontière Internationale. Ben, il était s'installer en Italie, hein, pour des raisons, bon, il aime bien l'Italie par ailleurs, mais pour des raisons de fiscalité. Donc, en effet, d'ailleurs, quand on lit surtout l'interview de François Hollande dans le quotidien du soir Le Monde de lundi, on a de quoi être un peu inquiet. Et je rappelle quand même qu'Hollande a sorti une grosse connerie. J'aime pas les riches, mais c'est pas un pauvre Hollande. Pour quelqu'un qui a fait HEC, qui était dans une école d'entrepreneur, de ce côté-là, le premier secrétaire du Parti Socialiste, je trouve qu'il dit un peu n'importe quoi. Il n'aime pas Fabius, par exemple. Non, mais je reste là-dessus, c'est lié. Quand on pense que maintenant, on nous propose d'augmenter, je dirais, la CSG pour financer les retraites, ce qui est une erreur. Parce que si on reprend le plan de François Fillon, à condition qu'on augmente la durée des cotisations, le financement, il est prévu. Mais je dis qu'il faut se battre sur un terrain politique. Johnny est un démocrate. Il doit au contraire, vu son impact dans l'opinion, rester en France et se battre pour qu'il y ait une véritable réforme fiscale au moment de l'élection présidentielle. Johnny qui part en Suisse et qui vous dit « Je vous emmerde, les dirigeants français sont incompétents, je m'en vais. » Je suis désolé, mais je lui donne raison. Et c'est vrai, il y en a assez, ça fait quand même aussi 40 ans qu'ils payent des impôts et n'importe quoi comme impôts, et c'est normal, ils le payent au prorata, ok, mais il y en a assez justement que des gouvernements après gouvernements gèrent tellement mal la France, comme nous sommes endettés, que nous payons, et qu'ils n'arrivent pas du tout à faire ce qu'il faut pour que le pays ait mieux avec nos... Il a raison de la façon dont il fait, au moins ça soulève le débat, il y a des ouvertures, j'ai dit ici qu'en définitive, je comprenais maintenant pourquoi il appuyait Sarko, puisque ça lui permet, en partant juste à ce moment-là, d'ouvrir ce débat extrêmement profond et important. Peut-être qu'il n'a pas fait volontairement, mais au moins ça, cette possibilité en fait, de l'ouvrir et de dire que nos politiques sont des incompétents sur la gestion du pays, il a tout à fait raison. Petite mise au point avant que tu me parles, Franck Tapéron, je signale que l'impôt sur la fortune existe en Suisse. Oui. Il existe. Et comme Johnny n'a pas la nationalité suisse, il ne le paiera pas. Et pourquoi est-ce qu'il va en Suisse? C'est parce que les droits de succession, les enfants, ne sont que de 2% en Suisse. Et qui est totalement à fortune égale, possibilité égale, que ferais-tu? Il y en a assez quand même. C'est une question de citoyenneté, Claire. C'est aussi une question de citoyenneté. Michel Sardou. Michel Sardou, qui gagne aussi beaucoup d'argent, qui a fait aussi travailler beaucoup de Français depuis des années, qui est aussi l'un des plus gros vendeurs de disques en France. Voilà ce qu'il dit, Michel Sardou. Il dit: moi, le hasard m'a fait naître dans ce pays, la France. Je trouve que je suis bien tombé. Imaginez que je parte en tournée, que je gagne du blé, que je retourne dans mon paradis fiscal, j'aurais honnêtement du mal à me regarder dans la glace. Je suis pas d'accord. Les gens qui vivent à l'étranger, et lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ont un problème de santé, ils vont par exemple à l'hôpital européen à Pompidou. Ça, c'est scandaleux. L'hôpital public. Johnny, pour moi, aujourd'hui, c'est un symbole. C'est un symbole parce que c'est une star que tout le monde connaît qu'en France. Parce qu'on parle de la Belgique, ils ne connaissent pas. Aux États-Unis, on ne connaît pas Johnny. Aux États-Unis, il y a plusieurs téléspectateurs. Mais aujourd'hui, le fait qu'il fasse ça, je pense que grâce à lui, ça va permettre déjà de remettre le débat sur la table et puis aussi de poser la problématique absolue de la France par rapport à ses créateurs d'entreprises, ses créatifs,
ses auteurs, tout ce qui fait que la France a rayonné pendant des siècles dans le monde entier, tout ce qui fait que le monde nous a envié notre créativité, notre génie, et le génie créatif français et inventif, il existe. Johnny, il est interprète, il a été aussi auteur et compositeur, pas sur quelques-unes de ses chansons, mais il est considéré comme une star qui fait briller la France. Et aujourd'hui, on a une politique, en fait, qui, en dehors de tout clivage, de droite ou de gauche, est contre-productive, car on est en train de confisquer, on raquette. Pourquoi on raquette? Les droits de succession, on impose quelque chose qui a déjà été imposé. Donc c'est du racket. On les a déjà payés. Et ça, on l'a déjà payé. On paye deux fois. Et troisièmement, pousser des stars comme lui à quitter la France, et on le sait que c'est pas le premier, pas le dernier. Je vous parle des grands patrons aussi, il y a des stars grands patrons. Pinot, bah, il habite où? Où il habite Pinot? Je sais pas que Jaffray est une star. Il habite où? Mais si, mais Jaffray, c'est bon, pour certains, c'est une star de l'entreprise, mais sur mes personnages, aujourd'hui, et je sais qu'il y en a d'autres qui se préparent à partir, et vous pouvez pas vous imaginer qui, et vous pouvez pas vous imaginer autant de domaines. Donc à un moment, je me dis, est-ce qu'on regarde uniquement la fiscalité, ou est-ce qu'on se dit qu'à un moment, l'identité nationale, mais l'image de la France, on est d'accord, mais moi j'ai une question que vous poser, moi j'ai une question que vous posez. Ça ne vous choque pas de voir Johnny et les autres partir à l'étranger pour ne pas payer d'impôts, revenir en France pour se faire soigner à l'hôpital public, payé par les impôts des Français, et Johnny a profité des services sociaux français pour pouvoir adopter sa petite fille? Alors moi je trouve ça un peu scandaleux, parce que d'accord que Johnny refuse de participer à la solidarité nationale, mais qu'il ne profite pas des services publics français. Alors à un moment donné, on est en République, on participe tous à une solidarité, on paye ensemble l'école, l'hôpital, etc. C'est peut-être trop cher payé, on paye peut-être trop d'impôts, et ça c'est un vrai débat, mais Johnny, il est très égoïste. Moi je te réponds...